gribouille. Vu, Bonnie. Oh, Pablo, c'est de la triche. Tu devais compter jusqu'à 5, lentement. Les enfants, je crois qu'il est temps pour vous d'apprendre à vous cacher comme des grands. Suivez-moi. Les enfants, pourquoi les renards doivent-ils se cacher? Pour éviter les humains. Exactement, Bonnie. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5 et je veux que vous vous cachiez dans un endroit où personne ne vous trouvera. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, je viens. Oh, Gribouille, je peux voir ta queue dépasser. Ça m'énerve, elle veut jamais faire ce que je lui dis. Ne t'inquiète pas, Gribouille. Avec le temps, elle finira par t'obéir. Voyons, qui d'autre peut-on trouver? Bonnie? Bonnie? Oh, je reconnaîtrai ses oreilles entre mille. Trop grande. Gribouille, ne sois pas stupide. Désolée, maman. C'est difficile de cacher de si belles oreilles. Bon, il reste Pablo. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que c'est? Vite, vous deux, cachez-vous. Bien joué, les enfants. Maintenant, il faut trouver Pablo. Pablo! Pablo! Tu peux sortir maintenant, Pablo. Le soleil! Le jour va se lever. Si tu nous entends, Pablo, s'il te plaît, sors de ta cachette. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Votre père et moi, nous reviendrons chercher Pablo plus tard. Et alors, quand j'ai entendu le gros bruit arriver, j'ai couru, couru vers la maison. Mais alors, où sont les autres? Désolé. Tu es parti sans leur dire. Et ils ne savent pas où tu es. Maintenant, si, Pablo. Qu'est-ce qui t'a pris? Bah, tu nous avais dit de trouver la cachette la plus sûre. Et la maison est vraiment la plus sûre des cachettes. Oh, Pablo, mais qu'allons-nous faire de toi?